Are you ready? Okay. Okay, on va couper un peu les cheveux. Okay. Okay, mon amour. Oh, qu'il est sage, le bébé. Oh, qu'il est sage. Oh là là. Qu'est-ce que c'est joli, mon bébé. Une petite tête d'œuf. Chamillotis, bébé. Ça va, tout se passe bien? Les amis, vous savez que même si ça ne se voit pas, je porte des lentilles. Donc j'ai deux types de correction différentes. Il y a un œil qui voit très bien, qui a 0,25. Donc je fais confiance aux lentilles Bubbly. Tout simplement parce que déjà j'ai pris un abonnement et que j'ai pas besoin d'aller chez l'opticien tous les mois. Aussi de vue, c'est pas un jour sur deux, mais c'est tous les mois. Donc j'ai pris le pack mensuel comme ceci, qui est livré chez moi rapidement. En fait, j'ai juste... était sur le site, vous mettez votre ordonnance et après ben voilà, vous avez des experts qui vous guident, qui vous conseillent et qui vous livrent. Vous avez aussi un pack d'essai à 5 euros, genre là c'est si vous voulez tester les lentilles, mais franchement c'est de la très haute qualité. Honnêtement je les sens même pas la journée, donc je suis là le soir, des fois je me réveille, je me dis ah j'ai oublié d'enlever mes lentilles. Il y a tout sur le site, vous avez le liquide, vous pouvez tout acheter. Donc ça c'est un traitement spécial UV pour pas abîmer les yeux. Elles sont conçues vraiment pour un rendu HD. Elles ont un revêtement spécial yeux humides, mais ça permet vraiment d'avoir les yeux hydratés toute la journée. Elles sont biocompatibles et elles sont livrées chez vous. Et ne... Donc là c'est mes petites lentilles, là j'ai ma boîte que j'ai déjà entamée. Et donc là, petit kit d'essai qui coûte uniquement 5 euros. Et vraiment pour avoir porté à mettre, franchement... À peine on les pose sur l'œil et hop, ça y est, c'est fait. Donc voilà, c'est un kiff. Pourquoi elles sont pas chères? Simplement parce que c'est Bubbly qui fabrique et c'est Bubbly qui n'a pas d'intermédiaire industriel. Et forcément, c'est beaucoup moins cher. Vous avez tout directement sur le site. Le petit kit d'essai à 5 euros. Vous avez les lentilles journalières, les mensuelles qui sont ici. Et avec tous les petits liquides pour pas en manquer. Surtout quand je voyage, ben, c'est un petit format, donc c'est hyper pratique. Donc la petite solution d'entretien qui est juste là. Parler à un opticien juste ici. Donc là par exemple vous mettez la puissance, cylindre, axe, quantité taille, et vous pouvez directement leur donner aussi l'ordonnance de votre opticien. Comme ça vous avez strictement... Ah oui, alors nouvelle polémique sur les réseaux sociaux, dans la presse et tout ça. Donc j'ai posté une photo sur Instagram avec mon fils. C'est vrai que j'en poste pas souvent parce que en général, quand je suis avec lui, je profite tellement que j'oublie de prendre des photos. Je le prends lui en photo, mais voilà, il faudrait qu'on en fasse un peu plus, surtout qu'il grandit super vite. Et donc là, on est parti voir le dinosaure et je poste une photo. Je lui fais un bisou sur la bouche. C'est mon bébé, il a 1 an et demi. C'est un tout petit, petit, petit bébé. Et donc, polémique, Nabila embrasse son fils sur la bouche. Les gens en colère, enfin les gens, pas les gens, puisque quand je regarde les messages, il y a 90%... qui trouvent ça hyper mignon, hyper normal et qui font la même chose avec leurs enfants. Il y a 10%, je suis sûre que ces 10%, ils n'ont même pas d'enfants. Ou alors ils ont peut-être un manque d'amour ou je ne sais pas. Et ces 10% disent, mais tu ne peux pas faire ça. Donc déjà de 1, je vous remets en place, c'est mon fils, c'est mon bébé. Il est sorti de mon petit garçon, je l'aime, j'ai un lien très fort avec lui. Voilà, et franchement, les petits avis, je m'en fous. Enfin, vous savez, enfin, je pense que vous avez remarqué que genre... en fait vos avis je m'en fous, mais c'est pas méchant, genre vraiment prenez-le pas mal et tout, mais en fait je m'en fous trop de ce que vous pensez. Et genre vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur moi, ça me fait rien parce que moi j'aime trop ma vie, je suis trop contente, je me trouve trop belle et je suis bien dans ma peau, voilà. Donc c'est l'essentiel, c'est pour moi l'essentiel. Et je trouve pas ça grave de faire des bisous sur la bouche. Mon fils il a pas 13 ans, 18 ans et quand bien même les mamans elles font ce qu'elles veulent, c'est leur bébé, c'est leur fils. Voilà, pour l'instant c'est comme ça, ça ne changera pas. J'ai attrapé le pied main bouche, j'en ai eu pour 3 semaines, j'ai encore des boutons partout sur le corps parce que voilà, je suis tout le temps collée à mon fils, on se fait des bisous, on s'aime tout simplement. Voilà mes haters. Pour les personnes qui aiment bien commenter, n'hésitez pas à aller le faire sous ma dernière photo parce qu'il y a des gros débats et c'est marrant. Voilà, les gens je pense qu'ils s'ennuient un petit peu, peut-être que ils n'ont pas pu partir en vacances, peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants. Voilà, moi je ne juge personne, hein, mais j'aimerais bien qu'on en fasse de même pour moi. Parce que c'est pas parce que je partage des choses que j'ai besoin de petits commentaires par-dessus. Voilà.
voulais quand même faire un gros big up à toutes ces mamans. Je vois vos commentaires, je vous kiffe, vous êtes magnifiques. C'est grâce à des personnes comme vous qu'on ne se sent pas frustrés, qu'on est bien dans notre peau. Et voilà, je vous remercie. Je suis en train de lire tous vos commentaires. Voilà, je vous embrasse très très fort du fond du cœur. Bisous à vous, à votre petite famille. Et j'essaye de vous répondre, je vous mets des petits cœurs.